swaha, swaha. Tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi. Diyo yonaha prachodayat. Je suis venu pour recevoir l'initiation. Alors, répond le prêtre rouge, désormais je serai ta mère. Sita, comme un lotus aux belles hanches, joli sourire, jolis yeux. Ô coquette, tu m'emportes le cœur comme la rivière emporte ses rives. Riche en arbres, riche en grains, riche en eau, le sol fertile du Mithila nourrit l'une des plus traditionnelles sociétés de l'Inde. Voici 3000 ans que ce royaume fut fondé par les Aryens, au nord de la vallée du Gange, près de la frontière du Népal. Et aujourd'hui encore, les rites magiques et tantriques rythment la vie de chaque jour. Ô toi, roi des jungles, je vois dans tes racines Brahma, ton tronc est Vishnu, tes branches sont consacrées à Shiva, tu es la trinité des dieux. Kali est l'énergie, la divinité cruelle du temps. Mais c'est aussi la mère qui aide l'homme à lutter contre ses instincts. Chaque matin, comme elle cuit le pain,
La femme dessine sur le sol de la cour un cercle magique qui devient la maison d'un dieu. Le Mithila vit dans l'éternel présent, la tradition. Chaque vie devant être la répétition plus parfaite des nombreuses vies déjà vécues. Mais c'est par les femmes que cette culture, trois fois millénaire, est restée vivante. Tout ici est codifié. Chaque caste a son puits, que nul autre ne doit approcher. Son quartier, ses temples, son rôle fixé de toute éternité. Ces dessins sur le sol, voilà des prières encore. Ces masques du soleil et de la lune sont tracés avec de l'eau de riz, parfois avec de la bouse de vache, à laquelle on reconnaît des vertus purificatrices. Chaque femme doit savoir plus de 100 motifs qui appellent un dieu à descendre. Ces aripanas représentent les aspects psychiques des divinités sanctifiées par la poudre rouge de santal qui les marque au front comme des personnes vivantes. Les femmes du Mithila dessinent et peignent aussi naturellement qu'elles préparent les aliments ou donnent des enfants. Sa voisine, c'est simplement manifester une meilleure éducation, une plus grande maîtrise de soi-même et plus de foi. Chaque fillette, chaque jeune fille apprend à dessiner auprès des aïeuls, car c'est par une peinture ou un dessin que se fait la demande en mariage, dans ce royaume qui connut le régime matriarcal. Thank you.
Mieux peindre sur les murs, c'est mieux se protéger contre les terreurs invisibles qui rôdent. À l'occasion des mariages et des fêtes, qui fondent chaque année une année sainte, les femmes représentent à la fresque Kali, l'une des manifestations cosmiques de l'énergie vitale, et les divinités que les astres et l'horoscope conseillent plus particulièrement de célébrer. Tous les matins, Sita se baigne comme il est prescrit. Ô beaux yeux noirs, ô douceur, lave-toi de ton passé pour que cette journée qui commence soit une nouvelle vie. Te baignant sous le regard des prêtres et changeant de sari chaque jour, tu fais la joie de ta famille. Les hommes des hautes castes doivent se recueillir longuement le matin, pour eux-mêmes et pour le village. La prière est la nourriture des dieux. À chacun ses dévotions. À chaque caste, à chaque famille, il est choix de venir prier ici plutôt que là, lorsque le bain est pris. L'arbre est l'axe du monde, ce qui unit la terre au ciel, comme la sève qui monte du sol et s'évapore dans les nuées. On ne ment pas devant un arbre. God, a Johnny B. Malatarange Kara jodi bina mama Bimalatarange Punidara sana deva Punimati gang Ki karab japa tapa jaga dhiya mane ki karab japa tapa jaga dhiya ne janama saphala bhela ekai sanane barashokhasare pavod tuvati re chora jitani ka
bani de bada shok sada. Les dieux ont mille noms, mille formes. Mais ces peintures ne sont que des rappels à l'ordre. Comment pourrait-on connaître le visage réel des créateurs du jeu de l'illusion? Après avoir médité, la femme traduit en couleur sa vision, où la logique n'a rien à faire. L'artiste ne doit créer qu'en état yogique. C'est l'image spirituelle des divinités qu'elle saisit au fond de son recueillement. La terre est une femme qui donne la nourriture. C'est la grande déesse des textes sacrés. Mille ans avant notre ère, un roi du Mithila trouva sa fille en labourant son champ. Il l'appela Sita, c'est-à-dire née du sillon. Et Sita deviendra l'épouse de Rama, le héros du Ramayana, le prince parfait, le dieu fait homme. Chaque fille du Mithila se sent encore l'héritière de Sita, modèle des femmes, vertueuse entre les plus pures. Chaque geste est un rite qui doit être accompli. Rarement un ordre est donné, troublant la paix de ses hameaux. Chacun à sa place mène à bien son travail. Le péché consiste d'abord à faire ce qui est le lot d'un autre et à refuser ce qui vous incombe d'après les traditions ancestrales. L'art est une fonction vitale. Il s'agit d'honorer les dieux et de se soustraire aux forces démoniaques. Certaines castes couvrent les murs de leurs huttes de divinités en relief ou d'animaux auspicieux qui ne résisteront ni au soleil tropical, ni aux pluies des moussons, ni aux jeux des enfants. La conservation des figures n'intéresse personne. C'est l'acte créateur qui importe. Thank you.
La plus pure tradition exige des femmes des hautes castes qu'elles dessinent des papiers qui serviront d'emballage à des cadeaux rituels. Dans ces hameaux perdus, les plus douées des femmes se servent d'un fil de coton directement trempé dans l'encre. Sans modèle, sans brouillon, s'inspirant de la tradition, la femme invente suivant ses goûts. La cuisson des repas est la part la plus secrète de la vie familiale, plus cachée que les rapports sexuels. Les aliments doivent être purs de toute souillure. Mais dans cette vie communautaire, tandis que certaines s'occupent des fourneaux, d'autres préparent les couleurs, qui sont toujours naturelles. Le noir est de la suie. Le rouge est une argile ou de la poudre de santal. Le jaune provient du pollen de fleurs. Le bleu, c'est de l'indigo qui pousse dans les champs. Et toujours des rites qui fortifient les dieux. Aux sages qui vivent dans la forêt, tu demanderas conseil, car ils savent ce que tu ignores. Pranam Baba. Sarvam Dasa. Pande Devam Guma. Tu m'as dit que tu es un Sab Bhagwan Bala Kare. अंदर जंगल में रहते हैं वनवास में वनवास रहते हैं ये दर्द दर्द ना दर्द ऐमर का तो इंडिया भर के उसके हैं ओ नहीं चलो वाली होगी बाबा जी वगैरह भगवान भरोसा है भगवान ने सजा दिया बाबा जी वही अपन मैं तो बैठे पत्थर रूप में ये तो जवान है ले लो बेटा ले लो मत करो आनंद रहिए ना ये तो पास जब तक आशीर्वाद देने जाए आशीर्वाद इच्छा रखो प्रणाम बाबा पुत्र संतान सिद्धि रस्तो धन धान्य प्राप्ति रस्तो ओम आशीर्वाद देवनाय क्या लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय La vie paisible des villages est rythmée par des fêtes auxquels participent des comédiens ambulants. Ces acteurs sont de haute caste, car ils jouent des drames sacrés. Ils proclameront tout à l'heure ce que chacun doit savoir de l'histoire des dieux. Vers midi, la chaleur est forte. Les bains succèdent aux bains. Toute eau est pure, source de fertilité. Se purifier, se laver et abreuver la terre, telle est la loi. Et que les animaux aient leur part dans ce monde où les végétaux,
les bêtes et les hommes ne font qu'un. Dans ce monde où le profane et le sacré ne se distinguent pas. नहीं बैठ रहा हूँ C'est à peine si les costumes, si les coutumes ont changé depuis 3000 ans. Ces comédiens rappellent les prétendants qui se rassemblèrent au Mithila pour un tournoi fabuleux dont Sita était l'enjeu. Ces acteurs sont des pandits, des lettrés, dont certains tout à l'heure se travestiront en filles, sans honte. Au Mithila, l'histoire s'est arrêtée de battre. Tout à l'heure, c'est tout le Ramayana qui sera résumé. La même histoire, inlassablement répétée. Près du temple de Kali, se prépare le sacrifice d'un animal. Devant les femmes du village et les enfants, le prêtre tantrique va demander au dieu si la journée est propice pour le mariage de Sita. Car le sacrifice unit le ciel et la terre. Car le sacrifice, c'est l'année. Les prêtres, ce sont les saisons. Les deux serviteurs, ce sont le jour et la nuit. Les libations, ce sont le passé et le futur. Telle est la magie du sacrifice. Hello.
Les dieux ont accepté l'offrande. Sita sera mariée avant ce soir. Alors, les sœurs et les cousines, les amis, commencent à peindre les murs des huttes pour que les dieux bénissent le mariage, pour qu'ils assistent à la cérémonie, comme ils ont assisté, voici 3000 ans, au triomphe de Sita. Tout le village est concerné. D'autres confectionnent des colliers, des chandeliers pour la chambre nuptiale, des statuettes représentant Krishna dansant avec les bergères, ou Vishnu sous la forme du poisson, ou l'éléphant, symbole des grossesses heureuses. Objets nécessaires au rite, et qui ne serviront qu'une fois avant d'être détruits. Peint le démon Ravana, l'ange déchu aux 10 têtes qui l'enleva lorsqu'elle était princesse du Mithila. Et l'image de Sita est peinte sur le mur de la chambre nuptiale dans la cour du mariage. Le potier fournit les récipients qui serviront à transporter une partie de la dot. Un pot, qui rempli de laitage, sera porté au futur mari avec les cadeaux rituels de sucreries et d'épices. Thank you.
Près des hameaux, une ville morte rassemble des temples où Sita se recueille avant de quitter sa famille. C'est le Linga, le sexe de Shiva, en éternelle érection, qui est loin et devant lequel elle s'incline. Dans le recueillement, car ils seront des dieux tout à l'heure, les comédiens se transforment pour le drame sacré du Ramayana. Le théâtre comme la peinture sont des nécessités vitales, des écoles. Avant de rejoindre la fête, les femmes du village sacrifient aussi aux dieux. Le dessin est devenu autel, où sont offerts l'eau, le feu et la nourriture. Voici Rama, Sita, voici le roi et le démon Ravana. C'est le mariage mythique, intemporel, que les comédiens vont jouer parallèlement à la cérémonie, à peine plus réelle, qui se déroulera dans la cour de la ferme. C'est toute la vie de Sita que nous allons voir résumée. Nulle récompense n'est plus haute que de recevoir des aliments bénis par un brahmane. 20 plats différents doivent être préparés pour le repas des noces, et des dizaines de litres de lait seront cuits pour la confection de crème. Sita est inquiète, puisqu'un garçon avant ce soir l'arrachera à sa famille. Car tout mariage est un enlèvement. Je suis le champ, lui dira-t-il, tu es les mots. Je suis le ciel, lui dira-t-il, tu es la terre. Reconstituons l'unité primordiale et assurons une descendance. Celui qui bandera l'arc obtiendra Sita en mariage. Les prétendants étant rassemblés, le tournoi va commencer. हमारे महाराजा विदेह ने चार श्रेणी का व्यवस्था किया है वैश्य वंश के राजा जो है उनके लिए लोहे की कुर्सियां और शूद्र वंश के जो राजा है उनके लिए काष्ठ की कुर्सियां हैं आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर और सभा मंच की शोभा को बढ़ाइए इस कायदे के खिलाफ जो जाएंगे वो बेखौफ ही सभा से निकाल दिए Mais Rama, Dieu incarné, brise l'arc comme un fétu de paille. Comme un prince, le futur marié est porté vers la maison des noces. Il y est accueilli par les femmes qui doivent vérifier s'il est bien bâti.
स्वानिधिपति गुं हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भर मा त्वमजासि गर्भधम् ॐ मा प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय दा अग्ने प्रजया सह ॐ मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् Ce sont les rites des Védas que les comédiens jouent ici. Le mariage de Rama, incarnation du dieu Vishnu, et de Sita, sa compagne éternelle, incarnée elle aussi, pour que leur couple soit à l'humanité un exemple. Comme l'extérieur, l'intérieur de la chambre nuptiale est couvert de fresques magiques qui accueilleront les jeunes mariés, gardés par une divinité qui tient une lampe à huile. Chastement, ils passeront leurs 4 premières nuits. Hélas, tout mariage est une longue épreuve. Quoique parfait, Sita, Rama et son frère sont exilés par des jalousies et une intrigue de palais. 14 ans dans la forêt, ils vivront des fruits tombés des arbres, luttant contre les fauves, les bêtes rampantes, les scorpions, et dormiront sur des litières de feuilles. Déguisé en prêtre mendiant, Ravana, le démon cruel, le révolté par excellence qui use de sa puissance pour braver les lois et tourmenter les dieux, profite de l'absence des deux frères pour enlever Sita sur son char aérien. Désespéré, Rama veut mourir. Il part avec son frère à la recherche de Sita et rencontre Hanuman, le général des singes,
qui leur promet de les aider et va les porter sur son dos à travers les airs. Sita, qui se refuse à son ravisseur, reste prisonnière dans le palais du démon. Mais Hanuman, bondissant par-dessus la mer, arrive chez Ravana. Fou de rage et de courage, il commence à se battre tout seul contre les démons. Il est bientôt fait prisonnier. Après des mois de lutte, des assauts innombrables, des blessures, des découragements, usant d'une flèche jadis forgée par Brahma, Rama tue enfin Ravana qui troublait le ciel et la terre. Pour qui respecte les rites et les dieux, tout est récompense. Rama et Sita sont réunis à jamais. C'est la fin du Ramayana. Doit être total. C'est un devoir encore d'y participer. Un rite d'action de grâce. Les enfants et les femmes s'enivrent de couleurs. Les hommes de vin de palme et de chants improvisés. À l'heure fixée par les astres, le repas de mariage offert à tous les membres de la caste ruinera peut-être la famille pour 6 mois. Mais c'est la communion du village à la joie qui importe. Demain, les dieux seront favorables. Là.
quelle vertu que la tienne. Ainsi nous l'avons appris des anciens qui nous l'ont expliqué. Bhare sukh saare.